Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir débloquer Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir le skin de Spider-Man dans Fortnite. Alors pour faire créer le skin, il faudra aller dans la boutique d'objets. Ensuite vous allez devoir acheter ce personnage là, donc je vais vous montrer ce personnage là. Parce qu'en fait vous allez avoir l'émote araignée, et en fait ça c'est essentiel, hein. C'est le symbole de Spider-Man. Donc après vous allez devoir personnaliser votre personnage. Donc vous mettez le mode dynamique, celui-ci, le premier. Ensuite vous mettez les longs cheveux comme ceci, voilà. Vous enlevez son masque. Vous mettez la ceinture. Là vous allez changer, vous allez mettre métal, voilà. Ensuite la couleur principale, vous allez mettre bleu très foncé. Ensuite vous allez dans la tenue 2. Vous allez mettre matière métal. Ensuite vous mettez couleur rouge vif. Ok, donc déjà ça commence à y ressembler, regardez. Voilà, c'est parfait. Ensuite ici, vous mettez, ça c'est l'accessoire, on s'en fout, il n'y a pas d'accessoire. Là vous pouvez mettre les yeux, soit normal, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, soit normal, soit blanc, enfin ouais, normal, comme vous voulez. Mais avec un, je trouve que ça donne un petit style avec les yeux comme ça. Voilà, vous les mettez en blanc ou en rouge, ou en bleu. Je trouve en blanc c'est bien, en blanc c'est très bien. Ensuite la couleur des cheveux, ben, vous mettez juste gris. Comme ceci, voilà, je pense que ça fait plus réel. Et voilà, vous avez votre votre Spider-Man sans le masque. Après, si vous voulez mettre le masque aussi, vous pouvez soit vous mettez celui-là, mais non, je pense qu'il met pas. Voilà, je pense que voilà, comme ça, ça c'est le vrai Spider-Man. Enfin, c'est pas le vrai, mais c'est une variante. Pour 1800 V-Bucks, vous pouvez avoir une variante du skin Spider-Man. Attendez, la couleur de la ceinture, elle est pas bonne par contre. Couleur, ceinture, voilà, accessoire en fait, ouais c'est ça. Faut mettre la rouge. Voilà, parfait. Et là on dirait vraiment un petit peu, c'est une variante de Spider-Man. Mais voilà, je trouve que ça le fait. Alors je pense qu'on peut faire la même chose avec la meuf. Ah, on va prendre celui-là. Voilà. Aperçu du style. Par contre ça me met le petit canard, je sais pas pourquoi. Attendez, voilà. Hop. Aperçu du style. Pourquoi ça me met le petit canard? Moi je veux pas le petit canard, moi je veux le truc là. Bon apparemment celui-là je peux pas mettre le petit canard. Faudrait que je l'achète pour mettre la toile d'araignée. Mais au moins vous pouvez mettre la toile d'araignée comme ça, ben ça fait ressembler à Spider-Man quoi. On va mettre les deux petites épées. Alors, on fait pareil. Hein. Première tenue, on va mettre les cheveux comme ça. Ouais, bon, les cheveux, vous choisissez, parce que de toute façon, on va mettre le masque, voilà, comme ça. Ensuite, la ceinture, c'est bon. Matière métal, couleur bleue. Ok. Ensuite, matière métal, couleur rouge. Voilà, voilà. Couleur de l'accessoire rouge. Ensuite, les yeux, on va les mettre en blanc. Voilà. Et les couleurs de cheveux, on va les mettre en gris. Voilà. Donc, imaginez qu'il y a le symbole, l'émoticône... Enfin, le logo toile d'araignée. Et franchement, ça ferait une petite Spider-Man en meuf. Hein. Je trouve que ça y ressemble. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Alors, si on le met sans masque, voyons voir ce que ça donne. Moi, j'irais cette coupe-là. Ah, cette coupe-là, elle est bien. Ouais, non, je mettrais cette coupe-là. Non, je pense que celle-là, c'est la mieux. Dommage qu'elle est coupée d'un côté. Mais voilà, ça donnerait ça. Un petit... Une petite Spider-Man en meuf. Donc voilà. Alors si maintenant vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez encore plus me soutenir, n'hésitez pas à mettre le petit code créateur SCM dans la boutique. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.